Dieu, merci. C'est quoi ça? Merde! Y'a pas de sortie. C'est condamné. Merde. Faut que je retourne au resto. Oh merde! Oh non! Non, non, non! Oh putain, non! Oh merde! Bordel de merde! Faut que je rejoigne les autres.
Ah, Dieu merci. Honda! Ouvre-moi! Allez! Mais bon sang, qu'est-ce que c'était que ça? Comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes! Ça va, Nick? Salut, Annie. Je croyais que vous étiez mort. Vous avez trouvé quelque chose à bouffer ou un flingue? J'ai trouvé ça là-bas. Ça pourrait être utile. Il faut que je me tire d'ici. T'as de la famille à retrouver? Des parents? J'ai personne. Moi non plus. Eh, ça vaut mieux comme ça, parfois. C'était ta dernière? On est presque à court de tout. Tu vois? Si les gens comme toi s'étaient fait poser des puces comme des citoyens responsables, on serait pas dans ce merdier! Tous ces gens sont pistés par GPS. Ils sont prisonniers. Ils respectent juste la loi! Ces puces GPS contiennent du Zombrex. Elles empêchent les infectés de devenir des zombies. Bah, ça a pas l'air de marcher terrible. Regarde dehors. Oh, les illégaux, vous n'êtes que des emmerdes. Vous pourriez pas la fermer? Ils vont nous entendre. Je te conseille de te calmer, petit con. Du moment qu'ils sont dehors, inutile de s'inquiéter. Non, éteins ça! Je ne veux pas mourir. Non, 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 maman, ça va aller, d'accord? Promis, je laisserai personne te faire du mal. Oh, Peter, j'ai tellement peur. Oh, bon sang. Regardez celui-là. On a l'impression qu'il se souvient de sa vie d'avant. On va tous mourir ici. Non, maman, non! Ne sors surtout pas! Non! Non! Hé, mec, non! 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 Aidez-moi! Ok, tout le monde, préparez-vous à courir. Putain, où est-ce qu'on va aller? Dans mon garage, à Ingleton. Les murs sont épais, ça nous laissera le temps de réfléchir. La télé marchera peut-être. Je veux bien sortir d'ici, mais je vais pas dans ton garage. Il y a des gens qui m'attendent. Écoute, tu devrais venir avec nous. Eh ben, je vais prendre le risque. Annie! Nick, les zombies vont débouler d'une minute à l'autre. Il faut faire quelque chose. On n'a rien pour les affronter. Toi, t'es bon pour le bricolage. Il y a plein de trucs qui traînent dans le coin. Je vais essayer de fabriquer un truc. Ok. Réfléchis. Ok, tout le monde. On doit partir par la porte de derrière. Il doit y avoir moins de zombies par là. Cette barrière. Oh mon Dieu! Dans la voiture! Dans la voiture! Oh bordel!
J'ai bien cru qu'on n'y arriverait jamais. Toute la ville est foutue. Et peut-être que tout le pays l'est aussi. Où est la police? Où est passée l'armée? On devrait être à l'abri ici. Tu ferais mieux de vérifier qu'il n'y en a plus un seul ici, ok? Plus un seul. Hé, hey, attends une minute. Ce type, il a une puce Zombrex GPS juste là. Mais ces puces de Zombrex sont censées empêcher les infectés de devenir des zombies. Et s'ils se transforment, ça permet de les suivre. C'est bien à ça que ça devait servir. C'est bon. Non, ça n'aurait jamais dû arriver. Rien de tout ça n'aurait dû arriver. On a besoin d'infos. Il faut découvrir ce qui se passe et savoir quand les secours vont arriver. Bordel! La télé déconne encore! Je vais devoir trifouiller ces câbles. Ça risque de me prendre quelques heures, Nick. Tu devrais regarder ce que tu peux trouver là-dedans. Mais sois prudent! Vous me voyez, non? Un peu d'aide? Vous êtes un flic? Si je suis flic? Elle est bien bonne, celle-là. Je suis un agent d'organisme d'entretien. Sanitaire. J'ai couru quand ce truc nous est tombé dessus. Je me suis enfermé dans une salle de surveillance. Ce truc civil anti-zombie, le ZDC. Ouais, un cadavre maintenait la porte ouverte. Alors, je me suis vite enfermé dedans. Je m'appelle Jamie Flint. Nick. Ouais, j'ai vu ta chemise, cow-boy. Alors voilà le topo. Je peux appeler personne d'autre que toi. Oh merde. Mais ça pourrait être pire, tu vois. J'ai un paquet de chips. Et tout un mur d'écran. Je commence à piger le système de défense des civils. C'est un truc de fou. Mais garde bien ce truc, vieux. Je te rappellerai si je vois des gens en vie qui ont besoin d'aide. Et puis... peut-être que tu pourras m'aider avec deux ou trois petits trucs, si ça te dérange pas, hein, bien sûr. Bon, écoute, les illégaux ont quelques jolis refuges en ville. Il y en a un au motel, au nord de ta position à Ingleton. C'est l'endroit parfait pour attendre que ça se tasse, tout ça. C'est bien aussi pour stocker des trucs. Alors, va jeter un coup d'œil et je te rappelle plus tard.